Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va vous montrer mes nombreux achats. Dans le fond, c'est mes achats qui datent du Boxing Day à aujourd'hui. Fait que j'ai fait pas mal d'achats, donc j'espère que vous allez apprécier. Donc je commence à l'instant. Premièrement, je vais vous montrer, dans le fond, quelques petites affaires que j'ai eues à Noël que j'avais pas montrées. Dans le fond, je l'avais marqué dans des petites bulles, mais je les avais pas encore reçues quand j'ai fait la vidéo parce que je l'avais faite le 24 au soir. Fait que ça va prendre 2 secondes, puis je vais vous le montrer. De ma cousine, j'avais eu 3 choses. Dans le fond, elle est représentante Mary Kay. C'est une marque de maquillage. Fait qu'elle m'a donné 3 choses de Mary Kay. La première chose, c'est une crème pour les mains à la pêche. Comme ça. Elle m'a donné un super beau vernis. C'est... Forêt de mûr, puis c'est un beau rouge vin là, avec des brillants dedans là, puis il y a de l'air vraiment super beau, j'ai hâte de l'essayer. Ensuite, ok, ça là, j'aime trop ça, ok, parce que dans le fond, ça fait une couple de mois, j'étais allée passer une fin de semaine chez eux, puis on avait comme, j'avais quasiment tout essayé ces produits tout ça, puis elle savait que j'avais vraiment, mais vraiment aimé les ombres à paupières. Comme vraiment là, sont super bonnes. Fait que là, elle m'en a acheté une, ok? Ça ressemble à ça. Elle m'a donné celle-là, le trio de fard à paupières cuit. Dans le fond, c'est un peu comme pour des smokey eyes, là. Moi, j'aime vraiment ça, les smokey eyes, là. Fait que là, les couleurs, c'est ça. Dans le fond, il y a un blanc, il y a un gris, puis un noir avec des brillants dedans. Puis je l'ai essayé pour le jour de l'an. Je l'ai utilisé, puis je partais le matin vraiment de bonne heure. Dans le fond, je n'avais besoin jusqu'au soir. Il a tenu du matin jusqu'au soir. Il a tenu tout le long, puis les couleurs sont vraiment genre pigmentées, puis sont trop belles. Là. Fait que si vous cherchez des bonnes ombres à paupières, là, wow. Ensuite, j'ai 3 autres ombres à paupières que j'ai eues de mes parents à Noël. Dans le fond, ma mère avait oublié mes données. Genre, juste après que je fasse la vidéo, et comme, oh, j'avais oublié de quoi. J'étais comme, pas grave, là. Fait que c'est ça, dans le fond, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait qu'ils avaient essayé, puis genre, il était super pigmenté, puis que genre, ça paraissait, là. Elle avait fait un petit swatch, là, puis genre, c'était vraiment pigmenté, puis tout. Fait que j'étais comme, faut trop, j'essaie ça. Donc, les deux mêmes dans la vidéo qu'elle parlait. Puis, j'ai acheté une autre couleur. Fait que, il y a premièrement le mauve, qui est 910 in Vogue, comme ça. Fait que c'est vraiment comme belle couleur là. Avec le bleu 913 High Street. Vraiment beau bleu ciel. Bleu poudre. Et puis j'ai rajouté aussi le rose. Le 919 Créer le Buzz. Que j'ai réussi à faire tomber. Puis un petit peu péter le coin. Mais bon, c'est resté relativement beau pareil là. C'est tellement un beau rose. J'étais comme, lui là, achète celui que tu veux, mais lui là, je le veux vraiment. Fait que dans le fond, c'était juste ça pour les cadeaux de Noël que je vous ai pas montré. Donc, là, avant de continuer mes achats, dans le fond, j'ai gagné un giveaway. C'est la première fois que je gagne un giveaway ever. Là. Fait que j'ai dit, bon, regarde, je vais le rentrer dans mon vidéo de... haul, je suis sûre que ça vous dérangera pas de voir qu'est-ce que j'ai reçu. Donc ça venait dans une boîte avec le couvercle. Puis, mais c'est sûr, j'ai déjà regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans, là. Même si je l'avais vu dans la vidéo, là. Mais j'étais trop pressée. Puis j'attendais de recevoir ce colis-là pour faire mon vidéo, fait que toutes les autres choses, elles avaient resté emballées, puis tout. Ah, puis aussi, c'était de Josiane. Puis je vais vous mettre le lien de la chaîne où je l'ai gagné, si ça vous tente d'aller la regarder, là. Elle est vraiment intéressante. Donc, ça vient dans une... La boîte est écœurante, là. Regardez ça. La boîte est juste trop magnifique, sérieusement. Là, j'ai vu la boîte, je suis comme... Donne-moi juste ça, je vais être contente. Donc, si on ouvre... Premièrement, j'ai eu 2 faux cils de chez ELF. J'étais très contente. J'ai hâte de les essayer. J'ai eu... Un gros pinceau de chez ELF aussi. Pour le visage total. J'ai eu un guide pour l'application du vernis à la française. Comme ça.
j'ai eu des pins tellement magnifiques pour le nombril, là. Genre, il y en a un que c'est un hibou, puis l'autre, c'est trois, genre, fleurs, trois roses. C'est vraiment, vraiment beau. J'ai eu un vernis mat. Ouais, mat, comme ça. J'ai eu un eyeliner black, comme ça. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Et le crayon de Wet n Wild dans Black Black, noir noir. J'ai vraiment hâte d'essayer ces deux-là. J'ai eu, c'est vraiment drôle, j'étais vraiment contente parce que je voulais vraiment m'acheter comme des nouveaux pinceaux pour les ombres à paupières, puis pour blender parce que je n'avais pas, puis comme c'est vraiment un essentiel. Fait que j'étais trop contente quand que j'avais vu qu'elle envoyait ça. Elle m'en a envoyé deux en plus, fait que c'est super le fun. C'est ça, fait que ça va être tellement utile, j'en avais tellement besoin, j'allais m'en acheter jusqu'à temps que je vois « Ah, tu gagnes! » Mais là, ok, je vais pas les acheter, tu sais, je vais les avoir. Mais ça, je suis vraiment contente. Et puis pour finir, tu sais, moi, comme vous savez, j'aime tout ce qui est pour les ongles, je mets tout le temps du vernis puis tout, j'aime trop ça. Puis ça, ben, dans le fond, c'est des autocollants pour les ongles, puis j'ai... Je pense jamais essayer ça. J'ai tellement hâte, là, en plus, en full beau, là. Celui-là avec des points en plus sont full nice, les autres ici. Fait que c'est ça qui était dans ma boîte. Si tu vois ça, Josiane, je veux te dire un gros merci. Puis j'ai beaucoup apprécié. Aussi, quand je suis allée magasiner, j'ai acheté des sous-vêtements chez Aerie qui étaient 7 pour 26$. Mais c'est ça, je vais pas le montrer quand même, là. Un petit peu de discrétion. Puis j'ai acheté une carte mémoire de 16 Go pour mon sel. Parce que genre il y avait juste plus de place là, moi je prends plein de photos puis tout, puis des applications, puis je voulais mettre de la musique là. J'allais m'acheter un nouveau iPod quand je me suis dit oh, je vais acheter une carte mémoire à place là, comme ça ça va me coûter, ça m'a coûté 10$, vraiment pas cher, il était en rabais là, de Boxing Day. Une carte mémoire de 16 Go pour 10$, puis pas besoin d'acheter un nouveau iPod. Puis au magasin du dollar, dans le fond ça valait 1,49$. J'ai acheté un infuseur à thé. Parce que saviez-vous quoi, je n'avais pas. Fait que tu sais, on s'entend que faire du thé sans infuseur, ça va un petit peu mal. Je suis allée au Urban Planet, une tasse, puis elle est juste magnifique, ok? Dans le fond, je voulais cette tasse, une tasse comme ça, dans le fond, parce que je fais beaucoup de smoothies, puis c'est juste parfait, là, ou même pour mettre de l'eau, elle m'est revenue à 2,50. Au Pentagone, dans le fond, les bijoux étaient vraiment pas chers, là. Puis il y avait un collier à 3$ que j'aimais vraiment trop. Puis mon père me l'a acheté. Mais dans le fond, c'est lui qui l'a trouvé. Parce qu'il sait à quel point j'aime les têtes de mort, là. Okay, il m'a acheté ça. Dans le fond, c'est la couleur or. Puis il y a une petite tête de mort, là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là. Mais c'est juste trop beau. Il y a des brillants dessus. Puis il y a un chapeau, puis des brillants. Puis comme, il est juste trop fou, là. Fait que... Je l'ai beaucoup mis depuis que je l'ai. J'étais allée au Pharmaprix, puis il y avait vraiment des bons deals là, sur le maquillage puis tout le kit là. Fait que j'ai acheté une couple de choses que je vais vous montrer. J'ai acheté le crayon pour les yeux de Essence I Love Rock, qui ressemble comme ça. Puis il y avait tellement des ventes, ça c'était 1$. À une pierre, j'étais comme, hey, je vais l'essayer. Puis je l'ai essayé une fois, puis il va se faire bien. Là. Fait que, genre, tu fais juste peser un peu, puis ça paraît fou. Là. Puis j'ai acheté un eyeliner de Essence. J'ai acheté deux vernis à ongles qui étaient 2$ chaque. Dans le fond, après les avoir essayés, juste comme sur un doigt, c'est vraiment des brillants. Là. Pensez pas que ça va faire une couche. Là. C'est vraiment comme pour par-dessus ou si vous voulez juste bien simple, juste des petits brillants. Il y a celui-là qui est. Ali Good Looking, comme ça, puis genre les brillants roses, je trouvais ça juste comme tellement magnifique, là. J'étais comme waouh. Puis un autre là, de la collection de Selena Gomez, Kissed at Midnight, puis c'est ça, c'est vraiment des brillants, puis je suis sûre que ça va être super beau par-dessus une couleur. Fait que j'ai super hâte de faire ça aussi, d'essayer, faire des testings avec... J'ai eu plusieurs nouveaux vernis, autant dans mes achats que dans... À Noël, fait que j'ai... Moi là, j'aime ça les vernis là. Essayer plein d'affaires sur mes ongles, fait que j'ai hâte d'essayer ça. J'ai acheté, ça c'était en vente à 2$, un blush. C'est un blush multicolore 51 Bronze Pie.
Puis c'est de la marque Gauche. Comme ça. Il se présente comme ça. Puis si tu l'ouvres. Waouh! Checkez ça, les couleurs. Les couleurs sont trop belles. Puis je l'ai essayé ça aussi. Fait au moins, les choses que j'ai achetées avant, j'ai pu un peu les tester. Fait qu'en même temps, je peux vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense. Puis c'est vraiment super beau. Si vous aimez pas qu'il y ait des brillants, il y en a un peu. C'est pas la catastrophe, il y en a un peu. Là, tu vois qu'il y a un peu de brillant. Mais moi, ça me dérange pas en tant que tel. Fait que moi, je l'aime bien gros pour 2$. Ça fait la job. Ensuite, la dernière chose que j'ai achetée, c'est Pharmaprix. Ça, c'était un petit peu plus cher. C'était pas cher, là, mais c'était un peu plus cher dans le sens c'était pas en vente à 1 ou 2 piastres. Là. C'était en vente à 5 dollars, je pense. Mais je le voulais trop, là, je pouvais pas passer à côté. Okay? Parce que comme je vous ai dit tantôt, j'adore les têtes de mort. Puis comme je viens de vous dire, j'adore les vernis. Puis là, qu'est-ce qu'il y a pas? Tadam! Dans le fond, c'est... The Nails Inc. London, c'est Letter Blink, Blink It On and Skulls. Ok, c'est... Ah, oh, j'ai tellement hâte d'essayer ça. C'est un vernis qui est censé faire noir cuivre. Tu sais, comme noir molle, comme pas de reflet, pas de... Fait que, genre, j'ai tellement hâte d'essayer ça noir cuivre, là. Genre, j'espère tellement que ça va vraiment faire ça sous les ongles. Puis, qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a de la colle que tu peux mettre... Il y a 4 petites têtes de mort argent avec des brillants que tu peux coller sur ton ongle. Puis là, j'étais comblée. Là. Puis en plus, une fois que tu l'utilises, quand tu l'autres, tu peux le réutiliser genre infiniment. Là. C'est pas fini, là. Tu peux le réutiliser, fait que c'est vraiment super. Quand je vais avoir une occasion spéciale, là, c'est sûr que je vais mettre ça là. Waouh, waouh, j'ai trop hâte. Ensuite, 3 paquets de gomme, puis c'est des layers que j'avais déjà montré que je tenais dans ma sacoche. Dans le fond, j'en prends tout le temps de la gomme, puis je passe ça trop vite. Là. C'est à pêche, aux cerises et limes, puis aux fraises sauvages et agrumes. Puis c'est ces 3-là, layers de trident, puis ils sont vraiment bonnes, puis ils durent super longtemps, fait que c'est juste trop nice. Puis parlant de gomme, hier je suis sortie à Montréal. Puis, dans le fond, je vais apporter tout le temps de la gomme, moi, partout où je vais. Mais c'est parce que j'avais pas apporté ma sacoche, parce que, genre, ça me tentait pas de devoir traîner une sacoche tout le temps. Tu sais, j'aime ça avoir les mains libres, là, puis genre, rien ses épaules, rien, là. J'étais allée au dépanneur, puis j'ai acheté cette gomme-là que j'avais jamais goûtée. Oh, elle sent juste trop bonne, là. C'est quoi? Je sais pas c'est à quoi, là, c'est marqué React To, il y a pas vraiment de saveur, là. Ah, oh, mais si vous aimez les fruits, là, ça sent, c'est juste trop bon. Moi, j'aime ça, les gommes aux fruits, fruités, tu sais. Puis, oh my god, ça sent trop bon, puis c'est vraiment, vraiment bon, là. Fait que je vous la conseille amplement. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site bodycandy.com. Si vous connaissez pas, c'est un site qui vend des bijoux à piercing. Dans le fond, c'est plein de ça. Où il y a même certains autres bijoux, comme des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes, des choses comme ça. Mais c'est plus axé sur les bijoux de piercing. Puis ça fait longtemps que je le connais, mais j'avais jamais commandé dessus, puis je le savais qu'il était vraiment, c'était vraiment un bon site, comme vraiment professionnel, puis que c'était pas de l'arnaque, là, parce que j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bonnes reviews dessus. Puis j'ai décidé de commander dessus. Dans le fond, j'ai acheté 3 petits piercings, puis ça vient dans un petit sac comme ça, puis je trouve ça juste trop mignon. J'aime tellement ça, les sacs de même, c'est full cute, je trouve. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai commandé, puis ça a pris environ un bon 2 semaines avant qu'il arrive, mais c'est vrai que c'était dans le temps de Noël, tu sais, Noël est rentré dedans, fait que ça peut avoir joué là-dedans aussi. Première chose que j'ai acheté, vous verrez peut-être pas très bien, mais c'est comme ça. Puis c'est un retainer pour mon nez, dans le fond c'est une petite pin transparente au cas où que j'en ai besoin éventuellement. J'ai acheté ça. J'ai acheté un que un jour vous allez me voir avec. C'est je le voulais trop là, c'était sûr que je le prenais. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais un de même là. C'est un bijou comme ça. C'est pour mon labret dans le fond ici sur ma lèvre ici. Pis c'est un anneau noir, là. Pis, oh my god,
Je trouve ça juste trop beau, là. Puis, je n'ai acheté un autre comme ça. Dans le fond, c'est un autre pour les lèvres, mais les petites boules sont mauves. Puis, le reste de la pin est argent. Ça va être genre comme ça, là. Puis elle était juste trop belle, celle-là aussi. J'étais comme, oh my god, c'est sûr, je la prends. Elle, c'était pas, je la voulais pas avant d'aller sur le site, mais là, je l'ai vue sur le site. J'ai fait, waouh, c'est sûr, je la prends. Fait que dans le fond, c'est ce que j'ai commandé chez Body Candy. Puis c'est sûr que je vais recommander là un jour parce que c'est vraiment un super site, super fiable. Donc, si vous êtes intéressé à acheter des piercings ou peu importe, il y a d'autres sortes de bijoux, vous avez juste à aller voir. Puis je suis sûre que vous allez être super content de comment votre expérience sur ce site va se passer. Ensuite, chez Onsense. Dans le fond, c'est pour un rangement à maquillage. Ça ressemble à cette photo-là ici. Comme ça. Je peux vous le sortir si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais je sens que ça va être vraiment pratique. Ça ressemble à ça. T'as ici. Ici, c'est pour tout mettre tes pinceaux ou tu peux mettre aussi bien tes rouges à lèvres ou tes crayons à lèvres ou ton mascara, tes crayons à yeux, n'importe quoi. Tu peux mettre ça ici. Ici, tu peux mettre tout autre maquillage, peu importe. Puis, tu as un deuxième étage en dessous que tu peux ôter comme ça puis que tu peux mettre d'autres choses. Donc, je sens que ça va être super, super pratique. Donc, pour 14,99$, je trouvais ça très, très, très bon. Je suis allée au Forever 21. J'avais quelque chose en tête parce que, si vous le savez pas, là, je vais vous le dire maintenant. J'adore les chemises, là, comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Puis, je l'ai acheté une. Puis, j'ai trouvé aussi... Je l'ai acheté une. Puis, ok, là, je sais pas, là, les boutons sont peut-être attachés. Là, j'ai pas vraiment le courage de toutes les attacher, là. Mais, oh my god, elle est juste trop belle. Oh! Elle est genre bleu pâle, puis elle est vraiment confortable. Puis là, mettons, comme ça, là. En tout cas, sur le dos, là, ça me fait super bien. Puis c'était la dernière, là. Puis elle était comme, me semble, 13 ou quelque chose. Elle était d'invente, mais c'était la dernière. Puis j'ai pris une médium, puis là, je l'ai essayé, puis elle était un peu grande, là. Puis là, j'ai demandé pour une small, mais elle était comme, désolée, madame, c'est la dernière. J'ai acheté, ok, j'étais pas sûre parce que j'ai acheté une jupe là, mais je mets pas, comme je mets pratiquement jamais de jupe là, comme vraiment pas. Mais genre celle-là était vraiment belle là, puis elle a coûté 12,80$. Elle était pas en vente. Puis il y en avait deux dans ce style là, mais c'était vraiment elle la plus belle là, je l'ai essayée. Puis c'était comme ça. Puis elle est juste trop belle. Ben à la pharmacie, j'ai acheté ceci. Des mélatonines, comme ça. Dans le fond, c'est des pilules parce que je fais de l'insomnie, sérieux, là. Ça n'a pas de sens, là. Genre, j'arrive pas à dormir le soir, c'est vraiment l'enfer. Fait que là, genre, j'ai acheté ça, là, pour essayer de que ça m'aide. Mais à date, ça m'aide pas vraiment. Puis j'ai acheté ça. Patent by Works! Premièrement, j'ai acheté une petite chandelle qui était en vente à 2$. J'étais comme, what? J'étais comme, wow! C'est sûr que je l'achète là. En plus, ça sentait trop bon. C'est Cedar Land, comme ça. Ah, oh, ça sent bon. Oh. Moi, je trouve, là, personnellement, que ça sent les pommes et la cannelle. C'est It's the Season. J'ai juste checké, puis j'ai fait comme, oh, j'aime ça, qu'est-ce qui est rouge? Puis d'habitude, qu'est-ce qui est rouge, ça sent bon, parce que c'est genre fruité, puis moi, j'aime ça les fruits. Fait que là, j'étais comme, ah, je vais prendre lui. Fait que là, season, puis je l'ai essayé, genre, il y a pas longtemps. Puis ça sent vraiment bon, là. Je vais tenir ça dans ma sacoche. Et pour finir, ok, il y avait ça. Ok, ça, ça coûtait 1,50$. C'était en vente à 1,50$. Ça, en plus, c'était pas cher. Shower gel aux enrichis de karité. Coup de foudre. Oh, c'était ça là qui sentait le meilleur. Oh my god, ça sent tellement bon. Moi, je trouve que ça sent les bleuets. Fait que, tu sais, c'était ça mon haul. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, s'il y a bien une vidéo que j'aime regarder, c'est bien ça. Je trouve ça tellement intéressant. Donc, laissez-moi le savoir si vous avez aimé ça en likant, pouce vert et en commentant. Abonnez-vous, c'est gratuit. Puis ça va me faire super plaisir.
Donc, on se revoit bientôt tout le monde, puis c'est ça. Bye bye!